Ce samedi 21 mars 2015 mérite d'être considéré comme une date historique pour la ville de Jacqueville. L'inauguration du tout premier pont qui va désormais desservir cette presqu'île vient mettre fin à 60 ans d'isolement. La construction de cette infrastructure peut être considérée comme une des réalisations phares de ce premier quinquennat du président de la République Alassane Ouattara. En effet, ce pont est plus qu'une simple infrastructure. C'est un organe vital qui vient d'être offert à Jacqueville. Et c'est surtout à l'épreuve du terrain que l'on mesure toute l'importance de cette dotation. En effet, ce samedi matin, jour de l'inauguration de l'ouvrage d'art, il y avait affluence de véhicules et de personnes à l'embarcadère pour prendre le bac, l'unique appareil de traversée depuis plus d'un demi-siècle. Longue attente, et en un peu plus de 2 heures de temps, le bac n'a pu réaliser que 3 traversées. C'est dire son caractère inadapté, dépassé. Et pourtant, c'était depuis 60 ans l'unique moyen de relier Jacqueville. Cet isolement, ce repli sur soi, a été source de retard pour cette localité aux nombreuses potentialités. La construction du pont de Jacqueville est donc un geste fort du président de la République Alassane Ouattara à l'endroit de cette ville. Un autre fait majeur en ce jour historique de l'inauguration du pont de Jacqueville, c'est la présence aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, de son aîné et frère, le président Henri Conan Bédier. C'est ensemble qu'ils ont exécuté l'acte symbolique marquant la fin de l'isolement de Jacqueville, à savoir la traversée du bac pour la dernière fois. Je crois que pour nous tous, c'est un sentiment un peu de nostalgie, hein? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, on n'aura plus à prendre le bac. C'est donc quelque chose qui faisait partie de l'environnement de Jacqueville. Mais nous sommes heureux pour toutes les populations, parce que là, évidemment, avoir un pont, c'est beaucoup mieux. Et les populations seront plus libres pour faire les traversées. Ça leur facilitera la tâche. Jacqueville est à moins de 50 km d'Abidjan, et donc au plan des touristes, au plan même de l'installation des entreprises. Donc c'est une excellente chose et c'est avec beaucoup d'émotion que nous faisons cela, surtout accompagné de mon aîné, le président Bédier, voilà, du premier ministre d'Égypte, du premier ministre Daniel Duncan. Donc c'est un jour spécial pour nous, pour les populations de Jacqueville. En tout cas, moi je suis très heureux de cette opportunité. C'est un grand jour. Les populations de Jacqueville se souviendront avec nostalgie du temps où existait ce bac. Mais comme le président l'a dit, il vaut mieux avoir un pont qu'un bac. Nous sommes très heureux d'assister ce jour à la livraison de l'ouvrage aux populations. Ainsi, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour Jacqueville avec inscrit en lettres d'or « Progrès, prospérité, rayonnement ». Anjem, le peuple des Troisa, Aladian, Aïzi et Akori étaient sortis massivement pour dire merci à son président. À l'aube de ce nouveau départ, le président de la République est allé déposer une gerbe de fleurs sur la tombe de celui qui fut jusqu'à sa mort le chef spirituel des Troisa, Philippe Grégoire Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale sous le président Houphouët-Boigny.